What's going on, guys? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la cuisine qui est maintenant disponible depuis la mise à jour du 20 mars. Donc, la recette pour créer cette cuisine à crafter dans votre base a été rajoutée au plan d'excavation de la base, plan 5 et 6. Apparemment, les deux plans ayant plus ou moins le même pourcentage de chances de vous donner cette fameuse cuisine. Pour ce qu'elle vous apporte, vous allez pouvoir créer des plats de type spécial. Comme par exemple de la daube de pâte d'ours, de la daube de foie de mouton caracule, daube de foie de chèvre nubienne, daube de langue d'okapi, soupe de queue de zèbre, etc. Ce sont des recettes assez compliquées et qui nécessitent énormément d'ingrédients. Comme par exemple des tomates, des pommes de terre, des oignons, du maïs, de l'eau claire, etc. Mais par contre, ce sont des plats qui vont vous donner énormément de faim et de soif, mais le plus important, c'est les bonus qu'ils apportent. La plupart de ces plats vont vous donner 2 voire 3 bonus. Comme par exemple une vitesse de récupération de santé, plus de l'endurance, plus une résistance aux blessures. Donc en gros, des plats vraiment créés seulement pour la coopération multijoueur en difficile voire extrême. La difficulté qui arrivera le mois prochain. Dans tous les cas, j'espère que cette information vous aura été utile. Et pour nous, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Encore merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao !